J'ai la haine de ouf. Je sais Donc, pas si demain je pourrais. on Je sais va pas. voir. J'ai grave la haine. Ok, salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, du coup, demain matin, je pars au ski. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce vlog? Bah, je vais vous en mettre plein les yeux déjà. Une belle vidéo bien réalisée comme à Bali. Et du coup, là, il est actuellement 2h28 du matin. J'ai toujours pas fait ma valise. Bon, ça va, je vais vous dire que l'année dernière, pour aller au ski, j'ai fait ma valise le matin même. Donc là, ça va. Bon, allez, bref, je cherchais ma valise. C'est parti. Ok, c'est bon, ma valise est prête, je vais aller dormir. Bon, je vais pas vous filmer le trajet, par contre, je vais vous montrer un peu le trajet qu'on va faire. C'est parti, let's go! Bon, on est arrivé dans l'appart. On vient juste de s'installer, on est en train de préparer à manger. Je m'entraîne aux équilibres, comme d'habitude. Et voilà. Voilà, les gens normaux se cassent un truc sur les pistes, mais Anthony, en faisant l'équilibre, le premier soir où on arrive. Quoi. J'ai la haine de ouf. Je sais Donc, pas si demain je pourrais. Je on sais va pas. Voir. On va voir les dégâts demain. J'ai grave la haine. Je vais vous mettre la vidéo. Je vous mets la vidéo tout de suite, allez voir, j'ai la vidéo en plus. Anthony? Attends, je peux essayer de marcher vite fait. Bois du vin, ça va te faire du bien. Vas-y, marche, marche. On a rien, l'hématome. Ah ouais. Ça a gonflé un peu, j'ai l'impression. Je me suis pris ça là. En fait, c'est ce qui s'est pris. Ah. Déjà, voilà, il a ramené ses petits. Monte-moi. Alors. Non, mais à je partir. C'est un équilibre pour voir. Non, arrête, Anthony. À partir du moment où tu dis je vais essayer de marcher, c'est que ça va pas. Non, mais c'est vrai, la poisse que j'ai. En plus, vous savez pas encore, mais mardi, il y a une surprise qui vous attend peut-être, c'est pas sûr. Et du coup, je pensais à ça. C'est sûr, mais maintenant. Oui, mais bah, c'est bon. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu dans la miniature, je sais pas si ce sera dans la partie 2, mais enfin bref, vous verrez, il y a une bonne vidéo avec un gros youtubeur qui va arriver mardi. Normalement, si le pied va bien. Si le pied va bien, ouais. Parce que tu vas en avoir besoin. La base, c'est vraiment mon corps pour cette vidéo. Donc... Ouais. Non, mais je pense que ça va, j'essaie de faire un salto. Mais en plus, la base, c'est vraiment les pieds pour cette vidéo. Tout est dans les pieds. Je Alors, justement, je crois qu'il est défoncé, Anthony, parce que des fois, vous savez, quand on a mal, le mal nous défonce et depuis tout à l'heure, il rigole comme ça. Anthony, je pense que là, ça va vraiment pas. Ah putain. Quand il avait une fracture, il rigolait pareil. Ah putain. C'est mauvais signe. En fait, ça me lance, mais de bâtard. Mais moi, j'ai une question. Pourquoi t'as ramené tes trucs pour faire l'équilibre? Bah, parce que je voulais m'entraîner. Je me suis dit, ah yeah, je voulais m'entraîner un peu avec. C'est le dernier truc auquel j'aurais pensé, quoi. Bah voilà. Non, mais c'est bon. Tu dors mal demain, mais ça va, c'est tout. Mais j'ai eu un début de semaine comme par hasard. Bah, on fait un débrief demain. Toujours, j'ai la tête qui tourne, ça m'a défoncé. Ouais, on va manger, on verra bien. Et bon, demain, si vous me voyez en train de faire du snowboard, c'est que tout va bien. Sinon, bah, je reste dans l'appart, on fera des petites vidéos ici, là, sympathiques. Non, mais tout seul, hein. Moi oui. J'irai skier. Je ferai des petites vidéos sympathiques ici, voilà. Ok, bon, jour numéro 2, du coup. Bon, ce matin, je vous ai pas filmé, parce que je vais pas vous mentir. Dans la nuit, déjà, j'ai bougé mon pied, ça allait beaucoup mieux, je sentais vraiment plus rien. Au final, je me suis levé ce matin, j'étais dégoûté. Rien que sous la douche, les gouttes qui tombaient sur mon pied, j'avais archi méga mal. Et du coup, ce matin, j'ai pas filmé parce que franchement, j'étais vraiment dégoûté. J'ai même pas pensé une seule seconde à filmer. Mais par contre, ma soeur a filmé sur son téléphone. J'ai enregistré, je vais vous mettre tout de suite la capture. Regardez. La chaussure. C'est pas blindax le piston. Il a failli pas venir, mais il a essayé de la mettre. Il a réussi, mais c'est très difficile. Donc, on va skier jusqu'à midi, je pense, vu le temps. Et après, on ira à la pharmacie et tout l'après-midi, on le laissera avec un petit bandage. On va prendre soin de lui. Ah! C'est bon? Ah! La chaussure est mise. Ok, donc en gros, du coup, j'ai quand même voulu aller essayer. Parce qu'à mettre ma chaussure de snowboard là, c'était juste horrible. Du coup, j'ai quand même voulu aller essayer. J'ai essayé et franchement, finalement, ça m'a même limite réparé ma cheville. J'ai beaucoup moins mal. Donc sur les pieds, j'avais pas mal. Vu que la chaussure, en fait, elle serre mon pied. Ça fait un plâtre. C'est ça, ça fait un plâtre. Du coup, c'était trop bien. Et voilà quoi! Bah, je pense que du coup vous le savez, dans le mardi normalement je vais faire une vidéo avec Tristan pour lui apprendre le salto arrière. Normalement c'est pas sûr, mais bon, c'est plus sûr que pas sûr. Et puis bah voilà, donc du coup je pense que je vais essayer de faire un salto arrière, je pense lundi quand même avant d'y aller, et on verra bien. Mais on répare ça petit à petit, et puis voilà. Donc dès demain je commence à vous filmer les pistes avec la GoPro. Et puis voilà.
Ok, salut la team, j'espère que vous allez bien. Bon, du coup, là c'est parti, on va faire du snow. Bon, aujourd'hui la journée est trop bien parce que je me suis réveillé et je n'ai presque plus du tout mal à ma cheville. Du coup, je suis vraiment content. Bonjour. Hey, salut la team, comment vous allez? Vous avez vu la tête de Playmobil que j'ai avec ce casque? Bon, bref, aujourd'hui, petite vidéo sur les pistes. Allez, c'est parti, ça va beaucoup mieux la cheville, c'est cool. Hop, c'est fait exprès en plus, regardez moi ça. Il y a le bus. Mais non. C'est pour nous ou pas? C'est bon, viens pour le studio. Bonjour. Bonjour. Chaud pour la vidéo de mardi, frérot. Yes, Antox, oui, oui, tout est bon. Mardi, mercredi, nous on tourne. DM-moi juste après. Je te donnerai l'adresse, tu nous rejoindras. Bon. Là, on est arrivé au sommet. On est où exactement, Guillaume? Il fait très très froid. J'en peux plus. Ouais, allez, c'est parti. Petit selfie. C'était totalement une vidéo. I am uncomfortable with being comfortable. I'm trying to do the unthinkable. I'd rather die than be stuck in a cubicle. I'd rather spend my whole life in the studio. Practice my swing, I've been working on hits. Trying to do shows and sold out events. All of these rappers be claiming they next. The way they be moving, I'm never convinced. Look at the odds, I came to get even. Gave them a chance, they gave me a reason. Open their eyes, they're... Ah, fais pas ça, c'est le pire truc au monde. Mon cœur, on dirait le Père Noël. Ah. Anthony, attends, t'as un bouchon dans l'oreille de neige. Je sais. Ah. Bon bah. Here we go. Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo sur comment faire du ski. Ok, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Juste et Prod pour une nouvelle vidéo sur la moto. Je déconne. Un gros soir, c'est Juste et Prod. Je vous mets ici sur YouTube, franchement il me donne beaucoup de force en ce moment, c'est un gars super. Il a beaucoup d'abonnés et franchement il a une bonne influence. Et surtout il ne prend pas la grosse tête. Et c'est un super bon gars, c'est devenu vraiment un pote pour moi et c'est super agréable. Donc s'il vous plaît, allez voir sa petite chaîne YouTube. Enfin sa grosse chaîne YouTube. Ton pote il fume, regardez. Regardez, il fume du corps. C'est impressionnant, regardez. Ouais, ouais mec. Grosse merde. Oh, elle est bien, c'est à cause de quoi là? Comment elle est rentrée dans la voiture déjà? La haine. On a percé. On a crevé. Donc, je vois Cassandra, puis je suis avec elle me dit ouais, moi les bonhommes ils savent changer les pneus. Bah, Guillaume il sait très bien le faire. Hein. Moi je savais pas le faire, je viens d'apprendre ça aujourd'hui. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive sur ma voiture. Et c'est cool. Bah, franchement. Heureusement que vous êtes là parce que moi j'aurais jamais réussi. Guillaume, je tire à fond comme un bâtard. Tu finis avec tes pieds comme tu as fait pour dévisser. Ah, je finis avec mes pieds carrément. Ouais, tu mets des coups de pied. Attends, mais c'est ouais, hyper bon, physique. C'est moi qui l'ai. Attends, tu t'es force comme ça. Attends. Et voilà, c'est bon, c'est fait. Par contre, la roue est vraiment dégueulasse. Mais non, elle est toute mignonne. Ok, alright. Welcome to the my channel YouTube. Alors que je ne suis pas bilingue. Beau gosse.
Oh, je me suis retourné en deux. Mon casque, en plus, il est dans mon dos, il m'a niqué. Ouais, ouais, pareil. Mais... Non, mais mon casque, il me sert de ouf. Par contre, j'aurais pas eu mon casque, mon dos, il m'aurait été mort. Oui, bah oui, super. Oh putain, la misère. Ah, j'ai décollé sa mère. J'ai décollé ? J'ai vu. Bah, c'est pas en fait, j'ai vu. Et en fait, mon snow, t'as vu, quand tu sautes, tes épaules à la bouche, c'est mort. Par là, j'ai vraiment eu peur là. Ouh. Oh, sa mère la p. Ah non ! J'ai plus mes AirPods. Hein ? J'ai plus mes AirPods. Bon, je vous explique, je sais pas si vous avez vu. Là, sur cette bosse là. J'ai fait un choc de ouf et j'avais perdu mes AirPods. Et du coup, je suis remonté toute la piste. Parce qu'en bas, je me dis, bah, attends, j'ai plus de musique là, qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à m'enjailler. Et au final, après, je suis monté jusqu'à là et je trouvais pas. J'ai trouvé la solution, j'ai mis la musique à fond parce que j'étais encore connecté aux AirPods. J'ai mis la musique à fond et du coup, j'entends dans mon manteau, je fais, oh, ils étaient tous les deux dans mon manteau, genre collés. Genre, trop bien. Enfin bref, du coup, voilà. J'ai la peur. Franchement, je me suis vraiment. En fait, j'avais mon casque dans mon sac. Parce que mon casque, je l'enlève. En fait, le casque, je le mets juste parce que j'ai froid aux oreilles. Et du coup, je l'enlève après. Et là, du coup, bah, je l'avais enlevé, j'avais mis dans mon sac, heureusement. Parce que ça, en fait, ça a un peu fait anti-choc. Enfin, bref, voilà. Et la tête, ça a un peu tapé, mais ça va. Tout va bien. La team. Oh la dé. Oh merde, mon sandwich. Ah, ah la p. Ah, j'en ai marre de tomber. Putain. Je suis là. J'en ai marre. Et voilà, le vlog numéro 1 est terminé, mais ne t'inquiète pas, le vlog numéro 2 va arriver très très vite. Dans le vlog numéro 2, tu vas découvrir une vidéo avec Tristan, tu vas découvrir encore plein d'autres chutes, des choses incroyables. Vous allez encore voir des vidéos super belles, enfin je l'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, en commentaire bien sûr aussi. Partage cette vidéo si tu l'as appréciée et surtout, abonne-toi. Voilà, c'est tout. On se retrouve pour le vlog numéro 2. J'espère t'y voir, hein. ça serait grave quand même. Allez, bisous. Business change, I like I ain't all this. Get it money, nigga.